que tout le monde connaît. Ouais. Et là, il croisera dans les coulisses quelqu'un qui sera également son stade en alternance avec lui, qui est vraiment un imitateur qui ne ressemble pas aux autres. Si tu veux, pour moi, c'est le rapport, c'est-à-dire en termes de taille et de talent, c'est le plus grand, c'est le meilleur rapport qui a été pris. Alors, Jacques Dutronc à l'Olympia, 26 novembre au 30 décembre, voici Michaël Gagorio. Alain Souchon et Laurent Voulzy vous inspirent forcément peut-être l'Angleterre et les Anglo-Saxons. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que sans les Beatles, Laurent Voulzy n'aurait peut-être pas fait cette carrière. Oh, ah, ils n'ont pas de siège. Ben, il n'y avait pas de place. Laurent, on peut dire ça comme ça? Peut-être, oui, non, peut-être. Mais ils m'ont inspiré. Hein, c'est pas... Si on commençait par les Beatles, je crois que Laurent serait fou de joie. Et on enchaîne avec les Stones. Avec les Stones, bien comme sûr. Comme ça, tout le monde est content. Bien sûr. Should I say, she'll want on me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian moon. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Biding my time, drinking her wine. We've talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she walked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bed. Fermez les yeux, ils étaient là. Ah oui, j'étais, oui, formidable. Hein, bravo, merci beaucoup. Merci. Ah ouais, formidable. Alors évidemment, merci. Il y a aussi les fans des Stones. Jagger est là. Till my dying is close, I see a line of cars, they'll paint it love. But flowers and my love, but never took a bath. And I see people turn the head, quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. Black as night, black as gold. I wanna see the sun blotted out from the sky. I wanna see a faded, faded, faded. I paint out black, yeah. T'es scotché là. Là aussi, ah oui, on ferme les yeux et Mick Jagger était là. Oui, oui, mais de toute façon, je l'ai déjà vu. Il fait tout le monde, c'est extraordinaire. C'est formidable. Non. Mais il y a aussi des Français dans le répertoire. Hein. Oui, quelques-uns quand même, quelques-uns. Bien sûr, absolument. Enfin, c'est vrai que les Anglo-Saxons, vous êtes vraiment le grand spécialiste. Ah. Alors, c'est vrai qu'il y a un professeur, puisqu'Ariane Ascari nous a parlé d'un professeur admirable, Val-de-Marne, qui est à l'origine de ce film, Les Héritiers. Vous, il y a eu un professeur qui a été un élément important de votre vie, un prof de théâtre, c'est ça? Ah oui, tout à fait.
Anne-Margrethe Leclerc, qui était ma prof de théâtre quand j'étais au lycée. C'est un petit peu elle qui m'a donné envie de faire ce métier, en tout cas la scène. Moi, ça a commencé par le théâtre, l'imitation et le chant sont venus après. J'étais un passionné de musique déjà avant, mais je savais pas que je pouvais travailler ma voix. Et c'est quand j'ai commencé le théâtre que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais jouer avec elle. Voilà. Allez, je voudrais rappeler Michael Goriot en concert au Trianon, le DVD. C'était, je crois, c'est Gérard Pulicino qui l'a enregistré. Tout à fait. Alors, vous allez vous croiser tous les deux à l'Olympia ? Oui, oui, on est en alternance. On partage. À la fin de l'année ? Tout le mois de décembre. Il va passer un sacré bordel. Oui, je sais, c'est déjà... Mes techniciens l'adorent. Mes techniciens l'adorent, oui. Ouais. Les mecs, c'est... Allez, juste pour moi, parce que j'adore les contrastes, levez-vous tous les deux une seconde. Oui, bien sûr, mon grand. Non, attention. La foire au monstre. Viens. On sait ce que vous vous dites. Oui, on sait ce que vous vous dites. Ouais, on est frères. Hein. Non, on n'est pas frères. On est quoi ? On est jumeaux. On est jumeaux. Non, mais attention. Non, moi, je sais, quand les gens nous voient, ils se disent toujours la même chose. Ils se disent, faut pas laver son linge à plus de 30 degrés. Ça, c'est un truc qui se... Merci tous les deux. Merci, Michel. Alors, allez-y. Parce qu'en fait, si tu veux, tous les deux, on se remplace beaucoup dans nos spectacles. Parce que lui, on partage la semaine remplacez. En deux, on se remplace. Lui fait de la magie, moi, je fais l'imitation. Ah bon, d'accord. Regarde, en magie, c'est... Regarde, ça déchire. Vas-y, ouais, vas-y. Et le... Waouh. Moi, attends, l'imitation, attends. Moi, j'imite Coluche. Regarde. Ouais. Mort. Attends, j'ai mieux. Bon, d'accord, je suis désolé. Moi, je n'aurais jamais dû faire ça sur France 2. Mais par contre, on a un tour de malade qu'on a travaillé pendant des années. C'est une grande illusion. Ouais. Ça s'appelle l'éclipse. Quand même. Ça s'appelle l'éclipse. L'éclipse. T'es prêt? Ouais. Incroyable. Éric-Antoine, Michel Gregorio, sur scène à la fin d'année. Merci Quel à tous. Quel carton on va faire tous les deux. On vient de niquer toutes nos places en 5 secondes. Bien.